Good morgen, allez, Iden et Sus aujourd'hui le Nishmat. Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, Claude Israël, Ben Fortune Mazal, Dan Myriam, Bateleza Sayak et René Avraham, Ben Mordechai. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine toute Mishnah, comptez que la 5 minutes éternelles. Nous étions ma sechet, Souka, Perigimen, Mishnah Yudalef. Makom Shana Agul, Ichpol, Ichpol, Difshot, Ichpot. Levarech Acharav, ou Levarech, c'est la première version, ça revient au même. Levarech Acharav, Yevarech Acharav. Akol keminha gamedina. Alokeach lulav mechador bashvit. Noten lo etrog be matana. Vishen rachay le lokro bashvit. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier en conclut les ilchot du Halel ouverte dans la Mishnah précédente. Il est mentionné un petit peu même dans la Mishnah tête. Et la Mishnah me dit comme ça. Makom shenagul ichpol ichpol. Dans un endroit où on a l'habitude de doubler les psukim, et bien on doublera les psukim. L'ifshot, ifshot, de dire de façon simple, c'est-à-dire sans doubler les psukim, alors on le dira de façon simple, c'est-à-dire sans doubler les psukim. Vous savez de quoi on parle? Depuis le moment de Odecha, Kanitan, Ivateil et Lishua, comme ça c'est en général, je pense que toutes les kibbutz d'Israël le font comme ça, chacun à sa manière, mais que le Shaler Tzibur dit une fois Odecha, Kanitan, Ivateil et Lishua, et le Tzibur répète Odecha, Kanitan, Ivateil et Lishua, Even Masso, Ben Emet Roshmina, Even Masso, Ben Emet Roshmina, Anachem, Anachem, il y a par rapport à la, entre parenthèses, trois derniers psukim, Baruch Haba B'Shem Hashem, Baruch Nuchem Mibet Hashem, Al Hashem Ayaranu Srak Vavadim. Alors, de nouveau, la plupart des communautés les doublent. J'ai toujours vu que chez les Marocains, on ne répète pas ces psukim. Dans leur Rizal, c'est mentionné qu'il faut les doubler aussi. Et, entre parenthèses aussi, donc la Mishnah d'Amber, en le disant, tout ça, c'est des minagim. Si on a l'usage de les doubler, on les doublera. Si on a l'usage de ne pas les doubler, on ne les doublera pas. Il n'y a pas de quoi polémiquer, il n'y a pas à se casser la tête, ni casser la tête du voisin. Et donc, comme l'usage en vigueur dans l'endroit où tu le fais, il n'y a aucun problème. D'accord? Entre parenthèses, remarque intéressante, cet usage de doubler les psukim, d'où ça vient? Alors, on a une petite explication dans le Bartonra, c'est pas assez poussé, j'ai jamais posé la question en fait. Et à mon âge quand même, depuis le temps, j'aurais dû le faire, mais bon. Il y a concrètement, et le Bartonra, il apporte comme ça. Si vous êtes entendu, depuis le moment où on commence, Mina Metsar Karatiya, Anani Bamir Khavia, Asher Neloira, Maya Seladam. La plupart des psukim, ils ont. Ce n'est pas les mêmes psukim qui sont répétés deux fois, mais chaque notion, elle est répétée deux fois. C'est Mesha Bidyuk, non. Je ne sais pas. Sabouni Gam Sabouni, Mesha Mesha Kiamlam. Sabouni Khidurim, Mesha 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 Khidurim, Rosi Vezimratia, Veilishua, bon, Kolorina Vishua, Beole Sadikim, il rapporte comme ça, c'est plus, encore plus détaillé dans Rashi, que les notions sont en général répétées deux fois. Pitrulishar et Tzedek, Avava Modeya, Zehachar Lachem, Tzedekim Avovo. Chaque notion est répétée deux fois. Depuis Odecha Kanitani, c'est plus répété. Donc du coup, il s'est instauré cet usage de répéter chaque notion deux fois. Quel est l'intérêt de répéter deux fois? Je ne sais pas. Fin du premier. Première partie. Deuxième sujet, maintenant, c'est la bracha du Halel. Si on a et si on a l'usage de dire une bracha après, on dira la bracha après, akol keminha gamedina. On parle de la bracha d'après quand on dit Yalelucha Hashem, juste à la fin du Halel. Ça dépend du minhag. Par contre, la bracha d'avant le Halel, au moins du Halel de Sukkot, comme ça, on est tous d'accord, le Halel de Sukkot, il y a, puisque la mitzvah de dire le halel est une mitzvah, tu as l'obligation de faire une bracha. C'est pas si tu veux, c'est pas si un minag. S'il n'y a pas de minag, vous commencez à avoir le minag. Il faut faire la bracha du halel avant de le dire, quand on est imposé de dire la mitzvah, le halel entièrement. Ok? Et la Mishnah conclut en me disant akol ki minag amdina. Tout selon l'usage en vigueur dans l'endroit où tu es. Deuxième sujet, alokach lulav mechavero bashvit. Celui qui va prendre, acheter un lulav de son ami, apparemment. En fait, son ami, on parle d'un ami Amaretz, un ignorant. Alors, la Mishnah me dit, ben, tu sais quoi? Notenlo etrog bematana, il devra lui donner le etrog en cadeau, les fichen rachay et les locro bajuit, parce qu'il n'a pas le droit de l'acheter pendant l'année de juillet. Bon, de quoi on parle? C'est très simple. On parle qu'il y a un Amaretz, un ignorant, qui veut me vendre maintenant un lulav et un etrog, le 7 entièrement. Donc, il y a un problème. Dans le etrog, si on est dans l'année de Shemitah, alors le etrog, il est un etrog de Shemitah, surtout s'il a été cueilli pendant la Shemitah, il a même peut-être poussé pendant la Shemitah,
et des discussions avec Gemara. Prenez le cas, par exemple, du cas où l'étrog, il a poussé pendant la chevite, ou bien, il y en a qui a que l'étrog, on va selon le moment où le cueil s'est fixé qu'il a un statut de juite. Entre parenthèses, peut-être je vais expliquer. Si on a maintenant, on va voir les fruits qui poussent en ce moment sur les arbres, on est dans la Shemitah en ce moment, les fruits qui poussent sur les arbres, ils n'ont pas de Gdusha de Shemitah. Pourquoi? Parce que pour les arbres, on va depuis le moment où les bourgeons ont éclos, donc depuis l'année dernière, après tout le Shevat. En général, c'est le moment où c'est le moment de la floraison, où la sèvre commence à remonter dans les arbres, et ça, la nature qui revit. Donc tous les fruits qui poussent maintenant, qui finissent de pousser sur les arbres en ce moment, c'est en fait des fruits qui ont quand même bourgeonné depuis longtemps, depuis l'année dernière. Pour les arbres spécialement, on détermine l'année de Shemitah selon l'année où ils ont bourgeonné, mais pas selon le moment où on les cueille. À la différence des légumes, on va selon le moment où on les cueille. Si vous avez des légumes qui ont été plantés, des aubergines qui ont été plantées à mi-Eloul, et ils ont commencé à sortir au moins petits, on va pas entendre une discussion, mais pas beaucoup, presque un tout petit peu, et puis finalement ils ont poussé essentiellement pendant un mois dans la Shemitah, vous n'aurez pas le droit de les manger. Durant l'année Shemitah, il y a un problème de sfichim, ils ont une douche à tuvite, on n'étudie pas tellement les produits en ce moment, donc on revient sur notre sujet. Le etrog, donc pour le moment on a différencié les fruits des légumes. Les fruits c'est selon le bourgeonnement, et les légumes c'est depuis le moment où on les cueille. Le etrog, il a une particularité, c'est que c'est un fruit de l'arbre, mais qui va être fixé selon le moment où on le cueille. Donc du coup, on a commencé l'année de Shemitah, on a cueilli un fruit de la Shemitah, un fruit d'un etrog. Ce etrog-là, il a une douche à tuvite, parce qu'on va selon le moment où on l'a cueilli. Si je l'achète de mon ami Amaharetz, je vais maintenant lui donner de l'argent, 100 shekels, en contrepartie de ce etrog. Ces 100 shekels, ils vont avoir une douche à tuvite. Et il y a une halakha qu'il faut, vous savez bien que quand vous avez de l'argent de juif dans les mains, il faut nécessairement acheter quelque chose de consommable, le consommer selon plusieurs règles. Dans les six lois de Shemitah, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'acheter des chaussures. Il faut nécessairement acheter à manger avec. À manger, le manger avec les règles de la Kedusha Tuvit aussi, ce que vous allez manger. Du coup, la Mishnah me dit, en fait, il faut veiller à ne pas donner de l'argent de Shemitah à un Amaharetz, un ignorant. Pourquoi? Ils vont faire n'importe quoi avec. Il va acheter des cigarettes, il n'aura pas le droit. Il doit acheter que des choses qui se mangent avec. Donc du coup, tu ne dois pas lui donner de l'argent de Shemitah. Maintenant, lui c'est le vendeur. Il me vend le lave avec le etrog. La Mishnah me dit, bah tu sais quoi, demande-lui qu'il te fasse le etrog cadeau. Même mieux que ça. La Gemara elle précise plus. Il peut lui dire, tu sais quoi, au lieu d'acheter le lave à 30 shekels, je l'achète à 130 shekels. Mais le lave tu le vends à 30, 130 et le etrog tu me le fais cadeau. Ils peuvent aussi arriver à un trafic pareil s'ils veulent. Il n'y aura pas de problème cette fois-ci. Mais au moins, on a gagné que l'argent n'a pas été donné en contrepartie du etrog. Donc, comme ça, je n'ai pas transmis de l'argent de Shemitah à un ignorant dans les mains qui risque d'en faire n'importe quoi. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Et c'est ce que la Mishnah a conclu en disant les fiches en Rachel, le crobjet, parce qu'elle n'a pas le droit de l'acheter directement durant l'année de Shemitah, de l'ignorant et de lui laisser de lui laisser en main l'argent qui est kadosh. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.